Le mercredi 12 juin, Françoise et une amie partent en randonnée à 9h du matin, mais ne reviennent pas à leur hôtel. Le gérant reçoit un message de Françoise signalant une chute avec une photo, demandant de partager sa localisation, mais plus aucun contact depuis. Les secours grecs ont fouillé l'île par voie terrestre, aérienne et maritime, sans succès. Des enquêtes sont ouvertes en Grèce et en France, dont une par le parquet de Draguignan et une autre par la gendarmerie de Gassin. Les autorités grecques ont mobilisé 8 officiers de police, mais seuls 2 ou 3 restent sur l'affaire. Les gardes-côtes sont alertés et restent vigilants lors de leur patrouille. Les familles ont porté plainte invoquant l'enlèvement et la séquestration. L'hypothèse n'est pas écartée malgré la familiarité des femmes avec la randonnée. Un avis de recherche est lancé pour retrouver un couple de Montpellierens rencontrés avec la disparition. Les proches cherchent la vérité, même s'ils redoutent de retrouver Françoise.